Vous pensez que je vais récupérer ma bouteille? Je vais pas vous mentir, je vais rien ramasser du tout. Et je vais même me permettre de jeter ce papier-là en plus. Énervant comme comportement. Et pourtant, aujourd'hui, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour attirer votre attention et pour vous parler d'un vrai désastre écologique causé par cette balle de golf. Vous savez que chaque année, elle est perdue plus de 15 millions de fois dans les golfs français? Oui, oui, vous m'avez bien entendu, plus de 15 millions de fois. Mais laissez-moi un petit instant pour vous donner plus de détails sur ce chiffre. Dans la plupart des cas, ces balles n'ont été frappées qu'une seule fois avant d'être perdues. C'est 630 tonnes de matière plastique abandonnée dans la nature, dont la composition chimique est particulièrement nocive pour l'environnement et qui parfois sont prises comme casse-croûte par nos amis les animaux. Absurde comme situation. En tout cas, chez Golfiller, on trouve que ça l'est. Alors on a décidé d'agir. C'est pourquoi il y a maintenant un an, nous avons décidé de lancer Golfiller, la première société française de ramassage et de revente de balles de golf d'occasion. Notre mission, écumer les parcours de golf afin de redonner vie à toutes ces balles oubliées. Comme nous aimons bien le dire, notre métier est une véritable chasse au trésor et notre butin commence à être bien garni. Plus de 300 000 balles ont déjà été ramassées. 20 golfs sur les 770 présents en France ont été entièrement nettoyés. 14 tonnes de matière plastique ont pu retrouver une nouvelle vie. Et 100 000 des balles que nous avons récupérées ont déjà été vendues. Un bilan encourageant pour la suite de Golfiller et qui n'est dû qu'à une seule chose, un processus bien rodé. Notre processus, il est simple et éco-responsable. On utilise un maximum de produits respectueux de l'environnement et nos machines artisanales sont conçues pour durer. Et puisqu'on est sympa, aujourd'hui on a décidé de vous dévoiler quelques-uns de nos petits secrets. Sur une journée de ramassage, nous récupérons environ 10 000 balles. Et croyez-moi, on peine pas à les trouver. Ensuite, on passe au nettoyage. Dans ces cuves, nos balles vont tremper pendant plusieurs jours, car plus c'est long et plus c'est efficace. Une fois bien dégraissées, place à la machine. Là-dedans, nos balles vont être dorlotées pendant de longues minutes, et comme vous le voyez, elles ressortent propres comme un sou neuf. Ensuite, le triage. Toutes nos balles sont successivement triées par marque, modèle et qualité, et croyez-moi, c'est pas une mince affaire. Pour finaliser, l'empaquetage. Vous pouvez retrouver toutes nos balles dans nos boîtes au carton recyclé et au design épuré. Chez Golfiller, on a décidé de dire stop au gaspillage, en s'engageant à ramasser toutes les balles perdues pour les remettre sur le circuit de vente. Nous avons pour ambition de devenir le premier distributeur français de balles de golf d'occasion, ramassées à l'échelle nationale d'ici un an et internationale d'ici 3 ans. C'est pourquoi aujourd'hui on a besoin de votre aide pour ramasser toujours plus de balles, nettoyer toujours plus de golf et faire toujours plus de bien à l'environnement. Que vous soyez un amoureux du golf ou de la nature. Alors, vous êtes de la partie ?